arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Hey, y'a plus petit pote, c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouvelle série, nouveau concept. Avant que les vidéos commencent, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre pouce bleu car beaucoup de personnes qui aiment mes films ne sont pas abonnés, donc vraiment faites-le, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, les gars, en vue une compétition que j'ai 16 des Catherine, donc on va faire simplement des tutos. Le premier deck sera un petit mineur que je vous ai déjà présenté sur la chaîne il n'y a pas très très longtemps. Un deck assez original, on va se faire le SD entier jusqu'à que je fasse les 3 défaites ou le 12 victoires. Donc, c'est une vidéo de assez longue, ça peut durer longtemps que rapide. Et on va commencer par les petits appuis sondables tranquillement. Et instant je crois il fait rien, qui bûche. On va mettre une petite chair dans le fond du terrain. Ok, ok. Pour l'instant, ok, MK au pont. Je vais me garder ma charrette en vie. Pas très mal de sa part, ça. Ok, un alcoolique ici pour tout tuer. Voilà, parfait. Et là, il a mis 7 dans le vent. Hop. Et là, c'est tout simplement GG. Voilà, première game de win. Bon, le mec, il a fait de la merde. Il a mis un MK dans le vent, il a mis un masque dans le vent, une voleuse dans le vent. Ah oui, un clonage dans le vent, apparemment, aussi. Ok. Ok, un mec. Oh, what the fuck. Très bien. On a chat qui fait le taf, hein. Hop. Voilà, rien de très très compliqué, première game. Nous sommes en 0-0, donc c'est normal qu'au début nous affrontions des gens pas très très forts. Mais c'est parti pour la deuxième game de cette vidéo. Ok, contre Trafalgar. Ok, on va cycler les apitons sur du terrain pour commencer. Avec un esprit de bon 6. Ok, cochon séisme. Très bien. Ça me va mettre un petit mineur pour commencer. Ok, Valkyrie va mettre une petite charrette. Alors cochon séisme, j'ai perdu. Je vous le dis d'avance, les deux contre au deck, c'est cochon séisme et les cochons séisme. Donc je peux juste tout simplement rage quitter la game, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, normalement il va défendre assez facilement, je peux essayer de forcer un petit peu. Là si le mec fait une grave erreur, mais normalement c'est peine perdue. Hein. Après le mec ça va, elle a l'air de pas très très bien jouer, donc ça me rassure un peu. La game est faisable, on va dire. Bon, normalement elle est infaisable, mais vu le niveau du mec en face, c'est possible de moyenner. Le problème c'est que ma cabane est inutile puisqu'il y a son séisme mais compliqué cadeau tu vois. Valkyrie plus reine. Des cartes très chiantes à gérer. Il n'y a pas déjà cyclé quand même là. Okay. Mal des apis. Hop. Oh le mauvais séisme de sa part. Hein. Là, puisqu'on pose ses cabanes. Bon, heureusement, le mec joue très très mal. Hein. Honnêtement, parce que je jure que normalement c'est un 100-0. Je peux strictement rien faire. J'ai déjà essayé de matcher plusieurs fois. Impossible. Ok, bon. Le poison qui était pas fou là, mais vas-y, my bad. Ok, parfait. On va aller mettre un petit mineur ici, tranquille. Tu me l'as gagné en plus. Ok, nous sommes à portée de poison. Ça, c'est pas trop mal. Ok, à partir du fond de map, on a la canne pour cette tank un minimum. Ah, nickel. Et parfait, quand ça paniquait, c'est pas trop mal.
Ok, parfait. Et Edwin a un hard counter tout simplement parfait. Hein. Si vous laissez de vous-même le deck, vous verrez normalement quand vous tombez sur un cochon à séisme ou un cochon à séisme, vous allez juste vous faire ouvrir en deux parce que normalement, match up est genre vraiment impossible. Mais bon, tant mieux, on est sur une petite victoire. Alors, je sais pas combien de vidéo va durer, vraiment, j'en ai aucune idée. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne rouge bleu si vous voulez que je continue les concepts comme ça, et on se retrouve dans la prochaine game. Ok, c'est parti, 3 sim game contre Azalghoul. C'est pas possible. Ouais, mal avec là, c'est pas mal. Hein. Les gars, si je suis agressif, parce que normalement je sais que j'ai perdu, donc là je me dis que. Ah merde, c'est du 2.6. Matchup est carrément faisable. Merde. Bah, du coup, c'est pas du cochon séisme. Je pensais que c'était du cochon séisme. Pas pour moi. Bah, du coup, là, jamais faire ça. Hein. C'est vrai que. Tu veux me pas poser la question de cette 2.6. Bah, triste de savoir si c'est 2.6 ou cochon séisme. Normalement, c'est 2.6, mais. Qu'est-ce que ça, c'est du 2.6. Ouais, il a joué sa boule de feu, je suis con. Ok, on va poser ça. Ok, boule de feu, très bien. Je pensais qu'il ait plus cette boule de feu. MG l'enfant utérin tranquille. J'explique mes apices, hein. J'aurais peut-être préféré mettre une charrette. Non, tant mieux que je la garde. Après, c'est que là, une carte pour ce que j'ai sa boule de feu. Là, il pourrait boule de feu bûche ma charrette. Ok. On peut recruter map. Pas pêche parce qu'il y a la charrette. C'est pas mal. Là, on va avoir un gros avantage là. Et je vais bourriner. Merde, dommage que j'ai raté le poison. On va essayer de bourriner un petit peu là. Ok, parfait. Le bourrinage qui a l'air de marcher à peu près. Pas du tout. On va cycler les appuis sur map pour mettre le collier au pont dès que je peux, que le même moment. Pire collier ever. Pire collier ever. J'espère que les appuis le tuent. Ok, parfait. Avec un match arrête. On va devoir assumer quelques coups, malheureusement. Enfin, un seul coup peut-être. Enfin, un seul coup. C'est nécessaire hein, d'assumer le coup là. Panique. Ah non, ça tue la charrette, c'est terrible. Ça doit pas tuer la charrette. Ok, j'ai pas lâché la pression, je pense. Ok, il commence à pas paniquer. Pas mal ça. Ok, parfait. Normalement, on a mis la game là. Let's go! Pas tous les jours facile les gamins.
Vous avez vu que ça peut être très tendu, hein, si si on joue mal la game, j'ai fait de la merde au début, mais tant pis. Ok, c'est parti, quatrième game contre Arons. Ouais bon. Peut-être ça actif. Ok, petite petite cabane ici. Ok, on va le colis tranquillement. Ah, relou ça. Reine, prince, fu. Bûche. Tri. Oh, la petite sac est pas bizarre. Attends. Non. Il est bizarre son deck, hein. J'ai un colis. Faut que je garde mon colis pour le fût. Phantom Dart. Dart, je sais qu'il avait déjà joué au début. Il y a relou le fantôme là. Ah ouais, mais il a tout là, il est relou. On dirait du MK Sapper, mais version Wish. Ça me va pour l'instant. Je sais pas quoi faire là. Oh, prince au pont. J'ai un peu de temps, ça, mais tranquille. La boule d'effet bûche aussi. Chie un peu. Ouais, ouais, très chiant même. Hein. Ok, bien wesh son prince. Tenter de bait. Oh merde, chaque fois j'ai deux tenses. Ok, parfait. On va avoir un bon mineur là. Ah, ça tue ma MG, relou ça. Ok, c'est la débandade pour lui. Ok, nous sommes à un mineur bûche. Invisible jusque là. Un mineur poison, je veux dire. Ok, parfait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un pouce bleu, c'était vrai coup. Ciao ciao.